Alors que le royaume de France est dévasté par la famine, la cour de Louis XVI à Versailles dépense sans compter. Le peuple commence à se rebeller. Et bientôt, la révolte gronde. La révolution s'essouffle. Le gouvernement du directoire est dépassé et menacé par le retour des royalistes. Le directeur Sieyès cherche un sabre capable de sauver la révolution.
Napoléon Bonaparte, jeune général couvert de gloire, tout juste revenu d'Égypte, sera ce dictateur de salut public dont la République française a besoin pour éviter le retour de Louis XVIII et de l'Ancien Régime. Le 9 novembre 1799, un coup d'État force les deux assemblées à quitter Paris pour laisser la garde de la capitale à Napoléon Bonaparte. Thank you.
Pendant la Révolution, les enfants ne sont pas épargnés par l'horreur de la guerre civile, bien au contraire. L'armée révolutionnaire enrôle enfants et adolescents dans les villes comme dans les campagnes. La Révolution laissera derrière elle une jeunesse décimée, affaiblie et marquée par la souffrance. Après ces années sombres et difficiles, l'espoir renaît enfin. On peut entendre à nouveau les enfants chanter. Thank you.
tu crois que ce sera comment à Paris dans un siècle? Moi, je pense que Paris sera le centre du monde moderne et que des milliers de gens accourront pour venir la visiter. Et ils viendront comment, tous ces gens, en train? Mais oui, des trains aussi rapides que l'éclair partiront du monde entier pour arriver à Paris. Et je suis sûre que même dans la ville, il y aura des trains pour se déplacer. Et peut-être que d'ici là, les trains seront sous terre dans des galeries comme des taupes. Allons, allons les enfants! Assez rêvé! Veuillez regagner la salle de classe. Ces enfants débordent d'imagination. Des trains qui roulent sous terre, quelle hérésie! Et pourquoi ne pas construire une tour de fer de plus de 300 mètres de haut? Par mes aïeux! Thank you.
Hi, Stephen, yes. Yes. Yes, sure. Yeah. Could you please come to Vietnam this night? No. Yes, just one moment, please. Oui. S'il te plaît, monsieur, comment je pourrais aller à la Tour Eiffel? La Tour Eiffel? Eh bien, je crois que le plus simple, c'est de prendre le bus de la ligne 72 jusqu'à l'arrêt Bir-Hakeim. Mais je suis où, là? Là? Tu es aux Champs-Élysées. C'est la plus belle avenue de Paris et très certainement la plus belle avenue du monde. De plus, la station de métro Champs-Élysées a été l'une des premières à être inaugurée en 1900, quelques mois à peine après le début de l'exposition universelle. Regarde, c'est magnifique. Ouais. J'ai l'impression que je ne suis pas au bon endroit. S'il te plaît, monsieur, comment je pourrais aller à la Tour Eiffel? Mais tu n'es pas du tout au bon endroit. Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un costume? Je suis tailleur. Je peux te faire le plus beau des costumes de soie. Une qualité inégalée au sentier. Non, mais je ne veux pas m'habiller en pingouin, je veux juste voir la Tour Eiffel. Bon. Je vais te dire comment y arriver à la Tour Eiffel. Mais d'abord, promets-moi de faire une visite au sentier. Tu y trouveras les plus beaux tissus de soie. Tu y trouveras les meilleurs tailleurs. Le sentier est un quartier vraiment magnifique. Vivant, riche en couleurs. C'est le berceau de l'industrie textile depuis le 19e siècle. Oui,
mais c'est quand que tu me dis comment aller à la Tour Eiffel? Bien, 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 bien. Alors, pour aller à la Tour Eiffel, tu vas marcher jusqu'au Louvre. Et puis, tu prendras le bus de la ligne 72 jusqu'à l'arrêt Bir-Hakeim. Merci, monsieur. Et si jamais tu as besoin d'un beau costume de soie, n'oublie pas, reviens me voir au sentier. Oui. Oui, oui. Thank you.
La 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 la. Oh, le soleil se lève à peine et il est déjà en train de balayer. Il va peut-être pouvoir m'aider. La la. S'il te plaît, monsieur, comment je pourrais aller à la tour Eiffel? Bonjour, petit. Mais qu'est-ce que tu fais déjà debout à une heure pareille? Moi, je cherche la tour Eiffel. Et toi, tu aussi, tu es déjà debout. Quelle répartie! Moi, je suis balayeur. Je commence à travailler au petit matin quand les autres gens vont se coucher. Les touristes par milliers passent dans ce quartier pour y faire la fête toute la nuit. Mais sais-tu au moins où nous sommes? Moi, je me suis perdu. Nous sommes Place Blanche. Regarde là-bas. C'est le Moulin Rouge, le cabaret le plus célèbre de Paris. On peut y voir des spectacles prestigieux, avec des danseuses toutes plus belles les unes que les autres depuis 1889. Je crois que tu es un peu jeune pour fréquenter ce genre d'endroit. Moi, je veux juste visiter la Tour Eiffel. Bon, tu vois la station de métro là-bas? Eh bien, tu vas prendre la ligne numéro 2 jusqu'à Charles de Gaulle, puis la ligne numéro 6 jusqu'à l'arrêt Bir-Hakeim. Et tu devrais y être en moins de 20 minutes. Merci, monsieur. Thank you.
je ne suis toujours pas arrivé. Il va peut-être pouvoir m'aider. S'il te plaît, monsieur, comment je pourrais aller à la tour Eiffel? Bonjour, mon petit. Si tu veux, je peux te peindre un tableau de toi devant la basilique du Sacré-Cœur, ça te dirait? La basilique de qui? La basilique du Sacré-Cœur. Ici, nous sommes dans le quartier de Montmartre, place du Tertre. C'est ici qu'au XXe siècle sont devenus célèbres Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Et au loin là-bas, sur la butte Montmartre, tu peux voir la basilique du Sacré-Cœur. Moi, je veux juste visiter la tour Eiffel. La basilique du Sacré-Cœur a été construite pendant plus de 35 ans. C'est un édifice qui mêle les styles architecturaux, romans et byzantins. Et dans son clocher, tu peux voir la plus grosse cloche de France. Et la basilique du Sacré-Cœur est aussi l'un des édifices de Paris qui est le plus visité. Moi, je veux juste visiter la tour Eiffel, pas une église. Bon. Je vais t'indiquer comment aller à la tour Eiffel. Tu vas prendre le métro à la ligne 2, station Abbesse, jusqu'à... Tu t'en vas. Jusqu'à la place d'Iéna. Puis, tu prendras le bus de la ligne 72 jusqu'à l'arrêt Bir-Hakeim. Et de là, tu la verras, la tour Eiffel. Merci, monsieur.
Dis donc, petit, la nuit va tomber. Tu n'es pas un peu jeune pour marcher tout seul dans les rues de Paris ? Depuis ce matin, je cherche la tour Eiffel et personne ne m'a su m'y conduire. Ils m'ont tous dit d'aller à Bierigheim. Bierigheim, Wittenheim, Mensisheim. Avec un nom pareil, t'es sûr qu'elle est pas en Alsace, la tour Eiffel ? Mais non, mon petit. Regarde, elle est juste là. Merci, monsieur. Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel. Thank you.
vais laisser mon numéro de téléphone si jamais il y a personne qui est intéressé. 06 51 53. Si, merci tout le monde. Eh bien, c'est terminé. Merci à tous et bonne soirée.